Salut à tous et à toutes. Ça faisait un petit moment que j'avais pas posté. Je vous ai manqué. Quoi? Non, ne dites rien, fermez-la. Bon, ben pour ceux qui veulent rester, ben restez et savourez. Avant de commencer le test donc du jeu, je vais vous compter mon ressenti personnel sur l'histoire des Simpsons. Ouh, arrête de plager le JDG, Nico. Ah, les Simpsons, série télévisée d'animation de nationalité américaine créée par Matt Groening qui vit le jour en 1989 aux États-Unis. La diffusion initiale de la série en France fut sur Canal+. Techniquement, quand la série débarque au début des années 90, elle se démarque très nettement des autres séries d'animation de par son choix artistique et son humour totalement décalé. À la base, le héros de la série, c'est Bart. C'est pour cette raison que tous les jeux des années 80 et 90 se basent surtout sur ce personnage-là. Oh, mais c'est pas juste! Comment cette petite copie de moi peut avoir la vedette? Attends, tonton, je n'ai pas fini mon histoire. Alors, l'histoire vidéoludique des Simpsons débuta avec Bart vs Space Mutant en 1991 sur Amstrad CPC, entre parenthèses, mention spéciale pour cette version. Qui m'en a fait bien chier? D'où Jésus? Je n'ai jamais entendu un tel blasphème. Ferme ta gueule, Flanders! Homer, ça suffit! Oui, bébé! Bon, les enfants, je peux continuer maintenant? Oui, continue, Nicolas! Il fut également adapté sur NES, Master System et Mega Drive. Bim, la même année, Konami nous sort une version arcade comme il sait si bien les faire. Le jeu sera adapté dans une version toute pourrie de Commodore 64 et un remake sortira en 2009 sur smartphone. En 91, nous avons droit également toujours sur NES à Bart vs The World qui est toujours une purge. Re 91 et encore et toujours sur NES, nous avons droit à Bart meets Radioactive Man. Oui, c'est toujours une sodomie à sec. Je ne te le fais pas dire. Et comme l'année 91 est proliférique pour les jeux Simpsons, on continue avec Konami qui nous sort cette année-là également, probablement l'un des meilleurs jeux des Simpsons sortis. Effectivement, mais pas sur console, c'est sur PC. J'adore. Bon, ben voilà, PC. Je crois qu'on a fait le tour de tous les jeux qui sont sortis cette année-là. Non, mais tu as oublié la version Game Boy. Teste de la version Game Boy, s'il te plaît. Homer, ferme ta gueule, je n'ai pas envie de tester ce putain de jeu dégueulasse. Si, s'il te plaît. Bon, allons-y. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Hé, hey, du calme, Nico. Je suis là pour te donner un coup de main. Ici, tu as South Park. Comme cette vidéo n'a aucun sens, pour rentrer chez toi, c'est facile. Tu as simplement à penser à chez toi. Ferme ta bouche, le nain. Je reviendrai m'occuper de toi plus tard. Trou de cul! Pourquoi elle démarre pas cette grosse merde? Les enfants, quand vous ne servez pas de votre console pendant un bon moment, n'oubliez pas d'enlever les piles! Ta mère, ouais! Alors, est-ce qu'il me reste des piles? S'il y en a, elles doivent être là-dedans! Oh, nom de Dieu, c'est le bordel! Il y a tellement de conneries dans ce tiroir, on pourrait chier dedans! Bon, évidemment, c'est pas celui-là, essayons celui-ci! Oh putain, mais elles sont où ces coins de piles? Mais c'est pas possible, c'est pas possible. Ah, gagné. Et il en manque une. On va faire comme jadis, et je suis sûr que comme moi, vous l'avez tous fait. Parfait. Ah ben voilà, là ça marche. Sortillant, je vous le donne dans le mille, 1991, sur Game Boy, et développé par Imagineering et édité par Acclaim, le scénario de Camp Deadly semble être librement inspiré de l'épisode Les Jolies Colonies de Vacances, épisode 1 de la saison 4 de la série. Épisode où l'on retrouve Bart et sa sœur Lisa dans un camp de vacances assez douteux, dans lequel ils useront tous leurs moyens pour pouvoir s'en échapper. Vous y contrôlez bien évidemment Bart, et première chose qui me saute aux yeux à chaud,
Je ne suis vraiment plus habitué à l'écran de la Game Boy. Graphiquement, on est dans la moyenne de l'époque, ça ne glace pas trois patins connards, mais ça fait le taf. Niveau maniabilité, ben c'est aussi très correct. Bart réagit bien quand on appuie sur la touche droite, gauche, sauter, pas de soucis. Entre parenthèses, prenez note que je vous livre là les captures d'écran les plus proches de ma passion, bande de cochons. Non mais, parce que vous pensiez vraiment, honnêtement, que je serais le seul à souffrir lors de cette vidéo ? Après, par contre, si on passe outre le fait que la qualité de l'écran de Game Boy m'arrache les yeux, je peux tout de même signaler que la musique m'arrache quant à elle les oreilles ! Non pas qu'elle soit mauvaise, on reconnaît bien le thème des Simpsons, hein, mais... Ça boucle ! Une putain de boucle tout le long du jeu, jusqu'à la fin ! Ça va, vous l'appréciez, là ? Parce que moi, j'en peux plus ! J'en peux plus ! Le putain de thème des Simpsons reste gravé dans votre cerveau H24, même quand vous dormez ! Ah ben non, je l'avais laissé allumer. Oh... Tout au long de l'aventure, vous croiserez le chemin de Lisa. Celle-ci vous donnera un précieux coup de main en vous octroyant des armes ainsi que des costumes. Les armes servent bien évidemment à l'encontre des moniteurs du camp, qui soit dit en passant, repop à l'infini. Regardez-moi ça, je sais plus où donner de la tête. Bon, bon. Les costumes, quant à eux, vous donnent des attributs supplémentaires. Le costume d'apiculteur contre les abeilles, de footballeur enfoncé dans les ennemis sans être blessé, et enfin le costume nucléaire vous rend invincible. Le jeu est doté de 6 niveaux, et pas un de plus. Déjà, accrochez-vous bien pour arriver ne serait-ce qu'au 3ème niveau. Ça y est, j'ai fini de tester le jeu ! J'ai fini de tester le jeu ! Homer. Ben alors, mon grand, on s'est perdu ? Écoute, Eric, c'est une erreur. Je viendrai plus tard. Il faut que je reparte. Ça marche pas. Bien embêtant ce qui t'arrive, mon grand. Maintenant que t'es bloqué ici, tu vas être ma petite pute. J'adore cette musique!